Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien, on se retrouve pour une nouvelle vidéo de Midgard, toujours donc sur cette série sur les factions de Midgard, et aujourd'hui on se retrouve donc pour discuter évidemment de la faction orange, la faction Xerxian. Alors, les Xerxian, donc la faction orange, que dire? On va évidemment faire comme pour les autres factions, on va discuter des principales forces de la faction. Mais si je devais décrire cette faction, je dirais qu'elle est assez polyvalente et qu'il y a pas mal de choses aussi uniques. Donc c'est un peu spécial cette faction. Polyvalente parce qu'on va avoir un petit peu de tout. On va avoir des sorts de gestion, on va avoir des options agressives, on va avoir des options de contrôle, on va avoir des options mid-range. Donc dans ce sens-là, c'est assez polyvalent. On a aussi pas mal de pioches en général. Et on a aussi quelques cartes assez uniques. Maintenant, ça excelle pas évidemment à tous ces aspects-là. C'est-à-dire qu'en termes de soins, c'est pas non plus la folie. En termes de soins, on va avoir le festin miraculeux par exemple. Qui sur le papier, bon, c'est toujours sympa. Mais on n'a pas vraiment envie de mettre ça dans son deck. Soigner entièrement toutes vos créatures et gagner 4 points de vie. Voilà. Comme je disais, sur le papier, c'est sympa, mais avoir ça en main, c'est pas toujours ce qu'on veut. Ça fait pas assez de choses en général. Donc, si on discute plus en détail des forces de cette faction, on va trouver un aspect assez token, un aspect jeton. Qu'est-ce que c'est des jetons? Ça va être en général des petites créatures, mais il peut y avoir aussi des très gros jetons. Hein. Mais en général, les jetons, ça va être comme ça, comme la recrute par ça. C'est une créature qui est créée par une vraie carte, mais qui n'est pas une carte du jeu. Pourquoi on les appelle jetons? Puisque dans les jeux de cartes physiques, on devait utiliser simplement des jetons pour les représenter, puisque ces cartes-là ne correspondaient pas vraiment de cartes faisant partie du set de cartes du jeu en question. Donc on les représentait avec des jetons. Et donc c'est pour ça qu'on appelle ça des jetons ou tokens en anglais. C'est donc la faction orange qui va en général plutôt se spécialiser dans les decks jetons. Une autre force de cette faction, ça va être son accès à pas mal d'options de pioche. On a la recruteuse Xerxian qui est une excellente carte de pioche, mais par contre il y a une petite condition, donc c'est une 2-3 pour 2 qui pioche une carte, donc ça c'est juste excellent. Mais la condition, c'est qu'il faut que la carte du dessus de votre deck soit une créature. Sinon, vous ne piochez pas, mais vous avez quand même l'information de la carte qui est au-dessus de votre deck. Même si vous ne la piochez pas, vous saurez si c'est un sort, par exemple. Ça vous montrera à vous quel sort c'est, mais l'adversaire, par contre, ne le saura pas. Donc, ça peut vous permettre aussi de jouer votre tour grâce à cette information, même si, évidemment, on aurait préféré piocher. Mais, par exemple, si vous jouez jaune-orange et que vous posez votre recruteuse et que la carte du dessus de votre deck est une misanthropie, vous allez vite et que l'adversaire a pas mal de créatures sur le plateau, vous allez éviter vous de vider votre main sur le plateau, puisque vous savez qu'au prochain tour, vous pourrez juste vous contenter de faire une misanthropie pour raser le board et recommencer à construire un board avec peut-être un peu plus de ressources en main que votre adversaire, qui lui aura posé des cartes, et ce sera un petit peu jeté dans votre misanthropie. Donc voilà, même si on pioche pas, on peut toujours essayer de jouer avec cette information, et c'est sympa. En termes d'autres cartes de pioche, on va avoir le sombre passager, donc qui est excellent, d'autant plus qu'on joue des tokens. Le sombre passager donne mortel à une créature, donc mortel c'est dès qu'une créature inflige des dégâts de combat à une autre créature, elle la tue directement. Donc c'est intéressant avec les 1-1 que vous allez générer, les petits tokens 1-1, vous leur donnez mortel, hop, c'est une carte gratuite en gros cette 1-1, puisque c'est pas une carte qui vient de votre deck. Donc c'est une carte gratuite qui va tuer une grosse menace adverse potentiellement et vous faire piocher une carte, donc le sombre passager va se recycler en plus de ça. Enfin, une autre excellente option de pioche qui pour moi est une des meilleures cartes orange, ça va être la Périoporte. Périoporte c'est une 2-2 pour 4 avec 2 gemmes orange, donc c'est assez cher pour un body 2-2. Par contre son effet est tellement puissant, l'effet d'éveil c'est simplement que vous piochez 2 cartes et la deuxième vous la piochez après avoir fait une divination 2. Bon, je reviens pas en détail sur ce que fait Divination, mais donc voilà, ça permet de filtrer un petit peu le dessus de votre deck et de grandement améliorer la qualité de votre main. Donc voilà, le body 2-2, comme on l'a dit, on peut en bénéficier avec aussi le sombre passager, etc. Donc c'est pas totalement à jeter ce body, même si bon effectivement pour un T4 le body est vraiment très faible. Mais bon, c'est compensé par son effet d'éveil
vraiment très puissant. Autre chose assez intéressante avec la faction Xerxian, ça va être évidemment les enchantements. Comme on peut le voir, la grande majorité des enchantements, hop, on a des enchantements de désert. Les enchantements de désert, qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'ils font, pardon? Puisqu'ils n'ont pas vraiment énormément d'effets, ils ont juste pour certains des petits effets sympas, mais comme on voit des cartes ici, il y a certaines cartes qui disent enchante les voies adjacentes avec des déserts. Lorsque les créatures adverses attaquent sur cette voie, votre adversaire subit un point de dégâts, peut être remplacé par d'autres enchantements. Donc là ici ça explique ce que font les déserts sur cette carte-là. Donc, évidemment ça explique ici aussi. Mais donc voilà, les enchantements de désert, c'est des enchantements qui n'ont pas vraiment d'effet à la base. Après, il y a des enchantements de désert améliorés, comme par exemple le champ de pétrole, c'est un désert, mais il a un effet supplémentaire. Mais les enchantements de désert de base, donc se mettent évidemment sur vos voies. Et quand les adversaires, pardon, attaquent vos créatures qui sont sur des enchantements de désert, votre adversaire subit un point de dégâts. Donc c'est-à-dire, c'est pas la créature qui subit un point de dégâts, c'est votre adversaire. Donc son visage prend un point de dégâts. Voilà. Donc dans l'idée, les decks désert, bah, le désert en soi fait pas grand-chose, comme vous le voyez, ça fait juste un point de dégâts quand l'adversaire va attaquer dessus. Donc cela dit, c'est toujours sympa, mais dans l'idée, ce qui se passe, c'est qu'on va avoir des cartes qui vont chercher à en bénéficier de ces déserts. Et donc si je vais dans créature et que je tape désert, hop, voilà. Ici on va avoir des cartes qui vont viser à bénéficier de ces déserts. Donc là on a des créatures qui vont générer des déserts. Donc avec le félin des dunes, quand il meurt, fait un désert. Le diable de poussière, c'est quand il est créé qu'il crée un désert. Et ensuite on va avoir d'autres cartes donc qui ont des effets positifs quand ils sont sur un désert. Donc par exemple l'éclaireuse des sables est véloce. Donc c'est-à-dire qu'elle peut se déplacer une fois de plus à chaque tour, elle ne subit pas de dégâts de riposte quand elle est sur un enchantement de désert. Donc c'est-à-dire qu'elle attaque sans prendre de dégâts de retour. Le désertificateur qui lui est une carte qui va créer des déserts, mais le chasseur des dunes par exemple gagne un point d'attaque et deux de régénération tant qu'il est sur une case de désert. Le caravane de ravitaillement, si vous l'invoquez sur un enchantement de désert, va donner une action standard aux créatures adjacentes. Pareil, la manticore. Son éveil, il va toujours s'activer. Par contre, si elle meurt sur une case de désert, vous pourrez infliger 3 points de dégâts à n'importe qui. Et la guerre des cailles sables aussi a véloce et téléportation quand elle est sur un enchantement de désert. Ça la rend vraiment très mobile. Et donc, ça en fait aussi pareil, Deva du désert agit lorsqu'il occupe un enchantement de désert. Mais ça en fait, qu'est-ce que je voulais dire? Une faction assez unique. Puisque voilà, vous avez tous ces enchantements, tous ces déserts. Il y a aussi d'autres manières de bénéficier de ces déserts, avec notamment le salage des champs, qui va pouvoir transformer les enchantements adverses qui sont en face de vos déserts en déserts. Donc ça peut retirer énormément de value à votre adversaire, puisque évidemment les enchantements, c'est en général des cartes très puissantes, donc qui la plupart du temps ne vont rien faire quand vous les posez, s'ils ne sont pas occupés, ne font pas grand-chose, mais quand ils sont occupés, donnent énormément de valeur à vos autres cartes et à votre deck en général. Donc voilà, ça c'est pour l'autre aspect de la couleur orange. Donc on a discuté de l'aspect token, de l'aspect un peu désert, avec les bénéfices qu'on peut essayer d'en retirer. Maintenant on peut aussi discuter de l'aspect contrôle. Donc il n'y a pas tellement de soins, comme j'en ai parlé rapidement. On a simplement le festin miraculeux, qui n'est pas non plus incroyable. En revanche, pour l'aspect contrôle, on va avoir des cartes intéressantes et assez uniques. On va avoir par exemple la sinistre bénédiction, qu'on peut lancer sur une créature pour infliger des dégâts égaux à la force de la créature. Au joueur adverse, puis verrouiller sa force à 0. Donc deux utilités à la sinistre bénédiction. Ça, on peut la faire sur une créature adverse qui, si on se dit qu'on pourra pas la gérer, par exemple s'il y a une 5-5 sur le board, qu'on pourra pas gérer avant 2-3 tours, bah, vous faites sinistre bénédiction et vous prenez 5 dégâts. Alors certes, ça fait mal, d'autant que la créature ne meurt pas, mais au moins cette créature-là ne peut pas vous attaquer. Sa force est verrouillée à 0, même si l'adversaire veut mettre des buffs dessus ou veut lui donner plus d'attaque, il ne pourra pas puisque la force est verrouillée à 0. Par contre, l'adversaire pourra toujours réprimer sa créature, et si la créature est réprimée, et ben la sinistre bénédiction n'a plus d'effet, et donc la créature regagne ses points d'attaque. Mais voilà, c'est vraiment un cas très spécifique. Ça vous permettra du coup bah, de ne prendre qu'une fois les 5 dégâts, au lieu de les prendre bah, 3, 4, 5 fois si vous n'arrivez jamais à bloquer la créature. Ça peut aussi servir sur vos créatures en tant que finisher. Si votre adversaire a 8 points de vie et que vous avez une 4-4 sur le board, bah, vous allez pouvoir attaquer votre adversaire avec votre 4-4 si elle n'est pas bloquée. Puis faire sinistre bénédiction sur votre créature
et donc ça mettra les points de force de votre créature à 0, mais les 4 points de dégâts partiront dans le visage de l'adversaire. Donc voilà, deux types d'utilisation, c'est une carte assez unique et assez intéressante je trouve. Après c'est pas la carte la plus puissante, et c'est pas la plus jouée non plus, mais elle est très intéressante dans son design. En termes de contrôle, bon, on avait discuté un petit peu, on va mettre les sorts, parce qu'en général le contrôle se passe plutôt par les sorts, on discutera après des créatures, éventuellement qu'on discutera des rares et des mythiques. En termes de sorts, donc, on a discuté un petit peu de Sombre Passager, qui permet à n'importe laquelle de vos créatures de tuer une créature adverse, tant qu'elle lui inflige des dégâts de combat. En termes d'autres sorts intéressants, on va avoir évidemment le Sceau d'Exil. Pour 4, 2 gemmes oranges, on doit sacrifier une gemme orange et un mana maximum, donc ça fait un petit peu mal, mais ça permet de bannir une créature ennemie, et surtout ça bannit tous ses exemplaires des voies, de la main, du deck et du cimetière de leur propriétaire. Et ça c'est un texte très important, notamment contre les decks verts à base de réanimation, ou alors si jamais, comme on l'avait vu en rouge, si vous faites surprendre par un rituel des 7 cercles, donc l'adversaire peut créer 7 Inferlion 3-1, et vous avec votre Sceau d'Exil, hop, vous bannissez tous les exemplaires des 3-1. Donc ça veut dire que vous tuez les 7 3-1 avec un seul Sceau d'Exil. Donc c'est quand même vraiment sympa. D'autant que le fait que ça bannisse de la main, ça permet aussi d'enlever des ressources à l'adversaire. Donc si votre adversaire comptait sur le fait d'avoir deux copies d'une carte, en jouer une et se dit je vais pouvoir mettre la pression en posant une seconde au tour suivant, vous pouvez retirer non seulement cette ressource du plateau, mais aussi de sa main. Et du coup, ça va faire vraiment beaucoup de pertes de tempo. Voilà, l'aspect négatif, c'est évidemment le fait de devoir sacrifier une gemme orange et un mana maximum. Ça paraît... Alors, je sais pas, mais vous pouvez peut-être éventuellement penser que c'est anodin. Mais parfois, si vous êtes forcé de faire un Sceau d'Exil en début de partie, ça peut vraiment compliquer votre partie par la suite. Parce que si vous devez le faire sur le T4, vous retournez à 3 mana et au tour suivant, l'adversaire brûle sa carte et passe à 5 mana. Donc là il y a un gros différentiel de mana, il faut réussir à récupérer. Donc en général c'est pas une carte qu'on va vouloir jouer en début de partie, sauf s'il y a une menace extrêmement importante à gérer, comme par exemple c'est vraiment intéressant de le faire sur alors c'est un T3 ou c'est un T3 je crois. C'est vraiment intéressant de les faire par exemple sur les nécromanciennes désespérées, puisque vous retirez toutes les copies des nécromanciennes et donc l'adversaire ne pourra pas réanimer leur grosse créature qui pourrait éventuellement mettre au cimetière sans que vous n'ayez eu le temps de les exiler. Donc le fait d'exiler les nécromanciennes désespérées fait que ils auront plus de mal à récupérer leur grosse créature, même s'il y a d'autres options en vert pour récupérer ces créatures, comme par exemple le réveil et les eaux. Et donc pour revenir à la faction orange, donc en termes de sorts de gestion, donc le Sombre Passager, le Sceau d'Exil qui sont très puissants. Ce qu'on va manquer, il y a aussi la Tentation qui est assez sympathique. C'est une carte, je dirais, peut-être un peu plus de tempo que de pur contrôle. Mais en gros, on prend le contrôle d'une créature adverse pour peu que la voie d'en face ne soit pas inoccupée. Donc en fait, vous déplacez la créature du terrain adverse au vôtre. Et ça lui donne hâte, donc ça vous permet soit de pouvoir tuer votre adversaire, si jamais cette créature vous bloquait, donc vous pourrez non seulement l'enlever en tant que bloqueur, mais en plus attaquer avec. Et ça peut aussi servir simplement si c'est une créature que vous ne pouvez pas gérer tout de suite, parce que vous n'avez pas assez de gemmes ou pas assez de mana, et que vous avez d'autres options plus tard, ça renvoie la carte dans la main de l'adversaire. Donc certes, l'adversaire pourra la jouer pour un coup de mana très réduit, mais ça vous permet peut-être de gagner ce petit tour, qui va vous permettre de gérer la carte adverse. Donc deux utilisations aussi, soit une utilisation agressive pour pouvoir tuer l'adversaire, ou pouvoir même juste prendre une créature et simplement taper dans une autre créature adverse pour que les deux s'entretuent, finalement, ou soit une option de plus de temporisation pour envoyer la créature adverse dans la main de l'adversaire, etc. A savoir que si vous avez, notamment si vous jouez vert, ou si vous jouez authentifier la réalité, vous pouvez rendre les cartes adverses éphémères. Et donc si vous faites tentation sur une carte adverse éphémère, donc vous allez en prendre contrôle, mais au moment de renvoyer la carte dans la main, vu qu'elle est éphémère, elle ne peut pas retourner dans la main de votre adversaire, et donc elle sera détruite. Donc c'est aussi un combo de deux cartes, quoi, c'est aussi un moyen de détruire des créatures adverses. Voilà. Donc c'était en gros les forces principales, donc, du deck orange. La plupart des cartes de late game sont des cartes qui sont mythiques ou rares, donc on va en discuter un peu plus en détail juste après. Mais donc voilà, un aspect, premier aspect token, un deuxième aspect enchantement plutôt mid range
avec les déserts et les cartes qui peuvent en bénéficier. Et un aspect aussi assez contrôle, mais ça va être du contrôle mono-cible la plupart du temps, mis à part pour tentation, donc qui permet de prendre une créature adverse pour taper sur l'autre, donc ça c'est toujours sympa. Mais sinon voilà, en termes de soins, à part le festin miraculeux, on va être assez short, mais donc voilà, une classe quand même assez polyvalente, qui va juste manquer de soins vraiment très intéressants et d'AOE, mais donc ça évidemment c'est normal, il faut que évidemment les factions aient toutes des faiblesses, moi je discute surtout des forces, puisque finalement dans ce jeu les faiblesses, vous pouvez les compenser avec une autre couleur. Donc moi je vous dis simplement ce qui est fort par rapport à la faction, après à vous de voir quelles forces vous voulez combiner pour essayer de faire le deck le plus fort possible. Alors un deck fort ça va être quoi? Ça va pas forcément être un deck qui n'a pas de faiblesse. Donc c'est-à-dire que si orange on dit qu'il n'y a pas beaucoup de soins, on joue du jaune avec, parce qu'on a Wonder Drug qui va vous permettre de remède miracle, pardon, qui va nous permettre de bien nous soigner. Pas forcément. Un deck fort, c'est pas forcément un deck qui est pas mauvais partout. Ça peut être un deck qui excelle dans un type comment dire, dans un type de deck spécifique où on n'aura absolument pas de soins, mais on voudra tuer l'adversaire assez rapidement. Donc voilà, faire un bon deck, c'est pas nécessairement avoir un peu de tout. Ça peut être ça, notamment si on joue des decks plutôt contrôle, on va vouloir pouvoir tenir l'early game, avoir du soin, mais aussi avoir de la pioche pour pouvoir rivaliser contre des decks contrôle, donc du soin contre des decks aggro, la pioche contre des decks contrôle. Donc voilà, globalement, quand on joue contrôle, on va vouloir avoir des decks assez polyvalents avec des fortes options en fin de partie. Mais pour des decks agressifs, on ne veut pas vraiment d'options de fin de partie, on ne veut pas vraiment de soins. De la pioche, on peut en vouloir, mais ça va dépendre de la manière dont vous construisez votre deck. Et voilà. Donc après, à vous de voir comment vous voulez combiner évidemment vos classes pour soit appuyer sur vos forces, ou soit essayer de compenser vos faiblesses. Avec en combinant deux couleurs différentes. Ou alors vous pouvez aussi jouer en monocolore, ou bien vous pouvez jouer plus de deux couleurs, hein. Mais je dirais que quand même le plus optimisé en général ce sera de jouer deux couleurs. Donc on va maintenant parler tranquillement des cartes rares et des cartes mythiques. On va commencer par les cartes rares. Quelles sont les cartes rares les plus fortes en orange? Je vous ai déjà un peu spoil. Donc avec la recruteuse Xerzia, c'est très bon quand on joue un deck avec beaucoup de créatures, évidemment, hein, si on joue un deck avec 20 sorts, ça va déjà être un peu moins fort, mais si on joue au moins 30-35 créatures, bon, il faut mettre la recruteuse Xerzia dans son deck, là, il y a pas vraiment de questions à se poser. Voilà, une 2-3 pour 2 qui pioche, c'est juste vraiment très puissant. Donc, la recruteuse Xerzia, je pense que c'est une des premières cartes à crafter en termes de rares en orange. L'autre carte à crafter, je vous l'ai vendue aussi tout à l'heure, c'est la Périoporte. Le body fait pas rêver, mais c'est vraiment une excellente carte qu'il faut jouer. Si vous jouez orange, je dirais qu'il faut pratiquement en jouer deux dans tous vos decks, quand vous aurez évidemment pu les crafter. C'est vraiment, vraiment très puissant. En termes d'autres cartes intéressantes, on va aussi avoir le Sombre Passager, donc avec votre token, qui peut être joué dans des decks token, dans des decks aussi un peu plus mid. Donc vous pourrez vous servir de vos tokens pour profiter d'effets d'autres cartes comme Sombre Passager, ou comme on l'a vu tout à l'heure, Infortune en violet, enfin voilà. Il y a pas mal de choses à faire avec vos tokens. C'est-à-dire on peut essayer de prendre de vitesse un petit peu l'adversaire en début de partie, le mettre sous pression, mais on peut aussi, via d'autres cartes comme Sombre Passager, comme Infortune, en profiter plus tard en faisant d'autres choses un peu sympas, avec des bodies qui sont d'apparence faible, mais qui, combinés à d'autres cartes, peuvent faire des choses assez puissantes. Mention spéciale aussi à la goule, qui était plus forte avant puisqu'elle ne coûtait qu'une seule gemme orange. Donc maintenant elle a été nerf à deux gemmes orange, probablement à raison. Mais ça la rend quand même vachement plus dure à jouer. Mine de rien, ce petit changement, ça fait un gros changement finalement. Mais ça permet de bannir des créatures d'un cimetière, donc ça, comme du vôtre comme de celui de l'adversaire, et ça soigne entièrement le goule. Alors l'effet de soin est toujours sympa, mais ce qui est important c'est surtout le fait de pouvoir bannir des créatures d'un cimetière. Notamment quand vous jouez contre des decks avec du ver dedans qui vont vouloir réanimer leur grosse créature, surtout si c'est du ver avec le disque arcadien, où en général ils vont justement vouloir défausser rapidement leur grosse créature et les ramener avec leur nécromancienne désespérée. Donc voilà, là deux options, soit vous avez évidemment les sceaux d'exil sur les nécromanciennes désespérées pour éviter qu'ils puissent ramener trop facilement leur grosse menace. Ou soit vous avez la goule et vous bannissez les grosses créatures du cimetière adverse. Donc Orange est vraiment une très bonne faction contre vert spécifiquement.
Voilà. Mais pour moi, les deux premiers crafts va être Recruteur Xerxian et Périoporte. Des cartes d'extension de ressources, vraiment très puissantes. Son passager aussi est vraiment cool avec tous les petits tokens. La ghoul, si vous jouez contre beaucoup de verre ou que vous voulez pas trop vous faire détruire par du verre, elle va être aussi assez importante. Ensuite, Tentation est sympathique. Pour les decks désert, bah, il va y avoir tous les enchantements de désert avec la gift des Kaïssal et la Daeva du désert. Mais bon, ça vient plus tard, à mon avis. Vraiment, la priorité, on aura Recruteuse, Périoporte, son passager, ensuite Ghoul, ensuite probablement la Tentation. Et après, comme je vous ai dit, il y a des petits plays sympas à faire avec la Sinistre Bénédiction, mais voilà, c'est pas les priorités. Donc voilà un petit peu pour les crafts orange. On va passer maintenant aux cartes mythiques, si vous le voulez bien, et je pense que vous le voulez bien. Donc là, ça va être. Donc vous pouvez déjà un peu moins déduire à partir de ma collection, parce que moi j'ai vraiment ouvert beaucoup de cartes mythiques orange. Donc si on regarde les cartes que moi je possède en mythique orange, voilà. Bon, il y a, je pense, 3 cartes. Allez, peut-être 4 cartes vraiment très puissantes parmi celles-ci. Donc évidemment, celles que je vous recommande de crafter, ça va être des cartes que je possède déjà, parce que parmi les cartes que je possède pas, bah, bon, elles sont pas forcément dégueu, mais elles sont parfois trop conditionnelles ou des choses comme ça. Mais voilà, parmi les cartes que je possède, pour moi, le premier craft. En vrai, le premier craft, c'est dur. Je vais vous donner déjà les deux premières cartes qui, pour moi, je pense, sont les deux plus fortes. En premier, il y a l'ange de l'Armageddon. Une 7-7 pour 7 avec 3 gemmes orange. Effet d'éveil détruit toutes les autres créatures. Donc, c'est-à-dire que ça rase le board. Attention, ça ne va pas tuer les créatures qui ont protection, par contre. Donc, Bragi, par exemple, est protégé. Sa peau, il a protection, sa peau. Oui, sa peau a protection. Donc sa peau, par exemple, va être protégée aussi. Donc si vous avez un sa peau sur le board et que vous faites Ange de l'Armageddon, bah, vous détruisez toutes les créatures adverses et donc potentiellement les créatures qui bloquent votre sa peau. Donc votre sa peau est 8-8, 10-10 ou quoi. Et ça vous permet d'aller face le tour suivant. Par contre, si l'adversaire a un sa peau, bah, votre Ange de l'Armageddon, il pourra pas détruire sa peau. Donc ça, c'est toujours compliqué. Puisque évidemment, protection, ça protège les créatures de tous les dégâts qui ne sont pas des dégâts de combat. Et l'ange de l'Armageddon, visiblement, son effet d'éveil, quand c'est dit détruisez toutes les autres créatures adverses, c'est que ça leur inflige des dégâts équivalents à leur point de vie. Sauf que vu que c'est pas des dégâts de combat, bah, sa peau, il s'en fout. Sa peau, il prend pas les dégâts. Mais donc, voilà, une carte vraiment très puissante. Bon, je pense que le texte parle de lui-même. Pour moi, un des deux premiers crafts en orange. C'est à peu près à égalité selon moi avec le Prince Léonin. Prince Léonin, c'est vraiment une carte excellente. Une 4-4 débordement pour 4, déjà c'est vraiment pas mal. Effet d'éveil, ajoutez un sort place de choix à votre main et est insensible aux dégâts des esprits. Cette dernière ligne est vraiment très intéressante puisque comme vous pouvez le voir ici sur la droite, donc on a l'effet place de choix qui est un sort éphémère qui coûte un seul point de mana et qui dit retirer toutes les capacités d'une créature et transformez-la en un lion esprit 4-4. Attention, un lion esprit 4-4. Qu'est-ce qui se passe? C'est qu'on a un prince léonin qui est insensible aux esprits, et que vous avez une carte qui vous permet de transformer n'importe quelle autre carte en un lion esprit. Donc soit vous pouvez transformer un de vos tokens 1-1 en 4-4 par exemple, et quand vous la transformez en lion, à savoir que si vous n'avez pas encore attaqué avec votre. Si vous avez une 1-1 sur le board que vous n'avez pas encore attaqué avec et qu'elle est en capacité d'attaquer, si vous la transformez en lion, vous pourrez attaquer sur le même tour. Donc si votre adversaire est à 4 points de vie, et que vous avez juste une 1-1 sur le plateau et une place de choix en main, vous pouvez transformer votre 1-1 en 4-4 et tuer votre adversaire comme ça. Mais l'autre utilisation, et l'utilisation la plus puissante évidemment, c'est le fait de pouvoir transformer une créature adverse en lion. Alors, vous me direz, oui, mais je la transforme en 4-4, ça reste quand même une menace pénible. C'est toujours sympa de transformer un sapo pardon, qui était 10-10 en un lion 4-4, mais voilà. Mais qu'est-ce que vous faites avec ça? Bah vous mettez votre prince léonin en face, d'accord? Et votre prince léonin, lui, il est insensible aux dégâts des esprits. Et la créature en face, vous l'avez transformée en lion esprit. Ce qui fait que le prince léonin ne pourra pas prendre de dégâts de la part du lion que vous venez de faire. Donc vous venez transformer un sapo en lion, et vous posez votre prince léonin devant, il ne peut pas prendre de dégâts du lion. Ça vous permet donc, en 2 tours, de tuer directement la créature, et d'avoir développé une 4-4 qui, elle, ne prendra pas de points de dégâts. Donc c'est vraiment extrêmement puissant. Ça vous permet de transformer bah, toutes les créatures adverses qui ont protection et qui sont assez pénibles pour vous en termes de gestion.
Et ça peut vous permettre aussi, donc comme j'en discutais juste avant, en termes de finisher, transformer une créature plus faible en 4-4 et pouvoir finir votre adversaire. Pour moi, vraiment, un des premiers crafts, je pense que les deux sont à peu près à égalité. Quand j'ai commencé à jouer, on m'a recommandé tout de suite Angela Armageddon en premier. Mais après avoir joué un petit peu Orange, vu que voilà, j'ai pas mal de mythiques Orange, donc j'ai pas mal joué Orange. Franchement, le Prince Léonin, pour moi, est aussi fort, voire limite un peu plus fort, parce que évidemment, ça intervient plus tôt dans la partie, etc. Mais ouais, pour moi, bon, elles sont quasi à égalité. J'ai une légère préférence personnelle pour le Prince Léonin, mais il y a pas mal de gens qui recommandent l'Ange de l'Armageddon en premier. Donc après, à vous de voir. Mais voilà. C'est pour moi les deux plus puissants. Pour moi, la troisième ensuite, mais vraiment juste un poil derrière, vraiment pas très loin derrière, ça va être l'enchantement vers le paradis au-delà. Cet enchantement est très puissant, très puissant pardon, en termes de value. Donc, on va pouvoir faire beaucoup de value avec cet enchantement. Qu'est-ce que c'est la value? C'est simplement le fait de. Bon, comment expliquer ça? J'ai continué à générer des ressources continuellement, on va dire. Par exemple, les cartes de pioche en général vont faire pas mal de value puisque vous posez une créature qui va potentiellement pouvoir tuer une créature adverse même si elle meurt, mais au moins vous aurez pioché une carte en plus avec. Et donc vous faites du card advantage, comme on dit, donc vous avez l'avantage en termes de cartes en main, et donc vous avez plus de ressources au fur et à mesure de la partie. Typiquement, ça c'est une carte qui va dire ça. Donc, lorsqu'une créature qui occupe cet enchantement, qui n'est pas un ange, meurt, vous renvoyez cette créature dans votre main. Elle est maintenant un ange, donc évidemment, vous ne pouvez pas le faire à l'infini. Donc, vous récupérez chaque créature une fois maximum si ce ne sont pas des anges au départ. Cette créature pardon, obtient plus 1 et agile. Et son coût de mana est réduit définitivement de 2. Alors, par contre, il garde son coût en gemme, mais le coût de mana est réduit de 2. Donc, voilà, pour faire de la value, il n'y a pas beaucoup plus fort. Hein. Vraiment, vers le paradis au-delà, c'est bah, une carte extrêmement puissante. Mais voilà, c'est une carte un petit peu lente. Hein. Ça vous coûte 5 à la poser. Et quand vous la posez, techniquement, si votre créature meurt pas tout de suite, ça fait pas grand-chose. Et même si votre créature meurt, mais que vous ne pouvez pas la rejouer sur le même tour, bah, certes, vous récupérez une créature en main. Mais c'est comme si pour 5 vous aviez pioché une carte. Donc c'est une carte très puissante mais qu'il faut jouer dans un bon timing. Parce que sinon vous pouvez simplement vous faire détruire si votre adversaire voit que vous faites ce play là et assez de pression sur le board, il va pouvoir vraiment appuyer si vous êtes un peu trop derrière sur le plateau et vous tuer comme ça. Donc c'est une carte très puissante mais il faut réussir à identifier quand c'est le mieux de la jouer quoi. Voilà. Donc pour moi, voilà, ces deux-là, c'est les premières à craft. La troisième, ça va être vers le paradis au-delà. La quatrième, probablement, je dirais que c'est le monde de la Terre Prodigue, qui a un très bon body pour un T6, 4-9. Il est très résilient, il a Regen 2 en plus. Donc ça fait qu'il est honnêtement très difficile à tuer. C'est-à-dire qu'il faut que l'adversaire lui mette 9 dégâts sur le même tour. Sinon, bah, à chaque tour, il va se régénérer de 2 points de vie. Donc 9 points de dégâts c'est vraiment pas si facile à faire que ça avec du board, même si c'est faisable, attention il n'est pas invincible non plus, mais voilà c'est vraiment beaucoup de points de vie, 4 points d'attaque c'est très honorable, c'est un score d'attaque très honorable pour une créature avec autant de points de vie, et surtout son effet, bah, prévenez tout dégâts ou perte de vie qui vous ferait descendre en dessous de 1 tant que cette carte est en jeu, donc quand elle est sur le plateau, en fait vous ne pouvez pas perdre, c'est simplement ce que dit la carte, hein. Vous ne pouvez pas perdre tant qu'elle est sur le plateau, et donc c'est... Vous forcez votre adversaire à mettre des ressources, à consommer des ressources pour pouvoir tuer ce monitor prodigue. Donc le nom de la carte qui va potentiellement être changé, c'est la Vish Proxy en anglais. Et donc l'idée, le lore de la carte en gros, c'est que c'est une copie, mais c'est une sorte d'hologramme. C'est une copie hologramme ou une sorte de peut-être de robot, enfin c'est une construction en tout cas, d'un membre de la famille royale. Donc assez cool en termes de lore. Mais donc voilà, c'est pas, comme vous pouvez le voir, c'est une sorte d'hologramme. C'est pas le vrai membre, donc bah, ça permet de le rendre invincible, puisque lui ne se montre jamais, et que sa copie qui se montre en public. Donc voilà, pour moi, la quatrième carte. Après le reste, ça va être des cartes qui sont sympas, parmi les cartes que j'ai. La Rafale de Salomon, notamment. Une 4-6 débordement pour 5, donc le body est assez sympathique. Obtient plus 2 plus 0 après avoir attaqué, donc à chaque attaque il va gagner 2 points d'attaque. Et en plus, si vous arrivez à faire des dégâts à votre adversaire, donc ce qui arrive relativement souvent étant donné qu'il a débordement, il obtient frappe alpha. Donc
Ça veut dire qu'il devient quasiment impossible à tuer, quasiment impossible à tuer par des créatures une fois qu'il a frappé Alpha, puisque bah, son attaque devient entre guillemets sa défense, et si une créature n'arrive pas à survivre à ses dégâts, bah, elle n'infligera pas de dégâts. Donc une carte vraiment assez intéressante. Maintenant voilà, c'est vraiment très bon, mais c'est pas pour moi la priorité de craft. Même si évidemment ça reste vraiment très bon. Autre carte sympathique que moi j'aime bien jouer, on va avoir Kushiel l'Implacable, qui est une 5-10 pour 6, donc encore une fois un très gros body. Par contre c'est un ange, donc sur l'enchantement vers le paradis et au-delà, vous ne pourrez pas le récupérer, puisqu'il faut que ce soit une créature non ange. Qui a profondeur 2 en plus, donc c'est-à-dire qu'elle fait 7 dégâts en tout aux créatures, et obtient une autre action après avoir tué une créature au grand combat. Donc voilà. Vous pouvez à peu près tuer, allez, 80% des créatures dans le jeu. Ouais, dans 80%, je pense c'est à peu près ça. Et en plus, après, bah, vous pourrez attaquer dans le visage de votre adversaire pour 5 points de dégâts, puisque bah, à chaque fois que vous tuez une créature, vous pouvez attaquer. À moins qu'évidemment que vous mouriez en faisant votre trade. Auquel cas, bon, bah, évidemment, Kushiel meurt, mais voilà, c'est une créature aussi assez sympa. Et dans des optiques un peu plus contrôle aussi, qui est une des premières mythiques que j'ai ouvert personnellement. L'héros de Pestilence, qui pour 6 est une 4-7 avec armure 1, donc aussi assez résilient, et qui dit que les 3 créatures dans les voies opposées ont flétrissement 1. Donc voilà, ça fait que les créatures adverses, bah, petit à petit, vont perdre des points de force et des points de vie, et donc ça contrôle assez bien les 3 voies opposées. Et en plus, les créatures qui ont flétrissement ne peuvent pas être soignées, donc ça peut être assez disruptif si votre adversaire bah, compte sur le fait de pouvoir soigner ses créatures. Pour créer un board durable, bah, le héros de Pestilence va pouvoir contrer un peu ce plan. Donc voilà, ça va être les cartes les plus sympas. Après, on a des cartes en général un peu plus pour de la tech, comme le Sariel d'Enoch. Mais ça, c'est pour du tournoi. Si vous savez que votre adversaire va jouer très contrôle, etc., bah, ça permet de donner protection à toutes vos créatures et de protéger vos créatures des sorts. Bon, il y a le Behemoth aussi, mais c'est vraiment très lourd, hein, comme son nom l'indique. Qui a défenseur, donc lui-même ne peut pas attaquer. Par contre, voilà, 3-10, donc il va bloquer 3 voies pendant un bon petit moment. Et surtout, au début du tour, vous créez des engeances de Behemoth temporaire 6-3 avec hâte. Et donc, bah, ça peut permettre de faire pas mal de dégâts face ou bien de tuer des menaces adverses. Mais voilà, l'idée c'est que c'est un peu lourd. Donc, c'est pas vraiment très joué. Mais bon, c'est jouable. C'est pas très joué, mais c'est jouable. Si on regarde rapidement parmi les cartes que je possède pas aussi, ouais, elles sont moyennes. On peut simplement discuter de l'enchantement de pioche, vu que, bon, voilà, j'en discute un petit peu pour toutes les factions. Tant que cet enchantement est occupé, les joueurs alliés piochent une carte supplémentaire chaque tour. Ça, on commence à connaître. Et donc, son effet additionnel, c'est la créature occupant un défenseur. Donc, la créature que vous mettez sur le trésor de Petra ne peut pas attaquer. Par contre, on peut utiliser son action standard. Donc, que ce soit attaque ou déplacement, pour donner un d'attaque et retirer un point de vie à une autre créature. Donc ça permet soit de le faire sur une de vos créatures pour lui donner des petits points d'attaque supplémentaires qui permettra d'aller tuer une créature adverse, ou soit faire sur une créature adverse qui n'aurait qu'un point de vie et instantanément la tuer. Donc voilà, ça peut être sympa. On peut aussi du coup bah, en faire un combo entre guillemets, entre très gros guillemets, mais avec... Pardon, la bénédiction. Où est-elle la bénédiction? Ah oui, non, mais j'ai mis que les cartes que je possède pas. On va faire ça. Ça coûte bien 3. Voilà, donc vous donnez un d'attaque de plus à une de vos créatures et vous faites la sinistre bénédiction pour faire un dégât de plus. Mais bon, là, on est dans des optimisations un peu sombres. Je vous avoue que je pars un petit peu loin. Je commence à divaguer. Je pense qu'on va s'arrêter ici pour cette vidéo, juste pour résumer. Donc pour les mythiques. En termes de craft, tac 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 tac, tous les filtres. Donc pour moi, 1 et 2, ça va être Prince Léonard, Jolar, Magueddon. Pour moi, ils sont sur la même marche, hein, sur le podium. Ensuite, tout de suite derrière, on va voir vers le paradis au-delà. Mais ça, c'est pour faire de la value. Donc attention à pas trop perdre de tempo. Le mandataire prodigue aussi, qui dit juste que vous pouvez pas mourir quand il est sur le plateau. Donc ça peut juste pas être une mauvaise carte. Et après, le reste, bon, tout est assez sympa. Pour jouer un peu plus contrôle, on aura l'héros de Pestilence. Un peu plus mid, on aura la rafale de Salomon et Kushiel l'Implacable.
Et pour jouer, voilà, toujours mid et anti-contrôle. On aura le Serial d'Enoch pour empêcher les décontrôles de tuer aux créatures. Voilà, Behemoth est un peu lourd. Raziel aussi qui est sympathique, donc il y a une carte à énergie qui vous permet de faire divination, donc de pouvoir filtrer votre deck. Et donc son ulti c'est vous êtes marqué par lorsque vous piochez une carte, votre adversaire se défausse une carte au hasard. Donc évidemment l'effet est très puissant, mais l'idée c'est que le fait pour pouvoir arriver à la condition c'est toujours un peu compliqué. Donc il arrive en jeu avec 2 d'énergie, et quand vous le posez, vous pouvez gagner 2 d'énergie en plus. Donc ça fait qu'il sera à 4, à 4 au début du tour 2, mais ça perd 1 d'énergie dès que votre adversaire pioche une carte. Donc si votre adversaire a un deck qui va beaucoup piocher, en général vous aurez beaucoup de mal à pouvoir activer l'ulti de Raziel. Et donc l'idée c'est que c'est vraiment fort quasiment que contre des decks contrôle qui vont avoir beaucoup de cartes en main, puisque les decks aggro vont avoir tendance à vider assez rapidement leurs mains. Mais bon, ça peut servir contre aggro aussi, mais bon. C'est une carte un peu compliquée, enfin c'est pas très joué. C'est un peu compliqué de réussir à passer à 5 d'énergie, je trouve. Ça se fait, mais ça prend 3-4 tours, et en général, il sera mort avant, quoi. Donc, bon, après, il y a la protection qui est toujours sympa, qui peut embêter vraiment les décontrôles, quoi. Raziel, vraiment, dans l'optique d'embêter les décontrôles, ça peut être cool. Donc, voilà pour le deck orange, donc, enfin, pour le deck orange, pardon, pour la faction orange, qui est voilà, assez polyvalente, hein, que ce soit en termes d'options agressives, en termes d'options mid ou en termes d'options de contrôle. Vraiment classe, enfin une faction très intéressante qui se combine assez facilement en réalité, hein, étant donné qu'il y a accès à pas mal de pioches, pas mal de value, pas mal d'options défensives. Donc c'est une classe qui se combine très bien avec le reste des couleurs. Et donc voilà. On va conclure cette vidéo ici. J'espère qu'elle vous aura été utile, qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à mettre des petits pouces en l'air si c'est le cas. Si vous avez des questions, n'hésitez pas évidemment à me les laisser en commentaire. J'essaierai de vous y répondre le plus vite possible. Et voilà. Si vous avez des remarques, etc. En attendant la prochaine vidéo, je vais vous demander, s'il vous plaît, de prendre soin de vous et de vos proches. Et voilà, et on se dit à la prochaine. Salut!